Pierre, nous rentrons la CAO dans la 42e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pral dominer l'actualité à 205 000 élèves pral gagner pour participer dans l'examen officiel 9e année fondamentale qui a déroulé sorti 22 pour arriver 24 juin, qui a venu là, et puis 75 000 élèves pour classe fille sorti 29 juin pour arriver 3 juillet 2015 dans tout territoire national. La déclaration ministre éducation nationale et formation professionnelle, la professeure Nesmi Maniga. À partir du 7 juin, cap venir là, l'État haïtien a bien 45 jours pour lui continuer à programme d'identification ressortissants haïtiens qui vivent illégalement dans la République dominicaine, selon le ministre Affaires étrangères haïtien Leonard Renault. Parquet Port-au-Prince, temps de journée mardi 2 juin, mettre au snap février avec diverses personnalités dans la Fédération protestante plan Haïti dans quatre dossiers qui opposaient pasteur Wilver Jean-Charles avec un frère biologique pour gestion l'église Théophile Lannan Martins. Dans le pays de 4 jours après victoire pour un 5e mandat dans la tête FIFA, Step Blatter a annoncé officiellement l'émission comme président fédération jeudi mardi 2 juin 2015. Step Blatter, qui gagne 79 l'année, occupé pour ça depuis dans l'année 1998, et fait qu'on est là jusqu'à ce que le Congrès a choisi un autre président. N'a pas rappelé, ça a gagné environ une semaine depuis FIFA a plongé dans un scandale corruption et blanchiment l'argent. Ressa ta gos son sous-riche en calcium, vitamine et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe qui côté. Récréation commencé à Yago. Des bananes, abricots, chocolat, ak vanille. Des fraises, des framboises, des chargées, vitamines. Tout si moun yo remè Yago. Tout si moun yo remè bwè Yago. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font y prochain tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute famille. Yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA à péter jam. Ou mettre danser, bien fait l'IA à bien. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou papier sa texte. L'IA mettez ma force et l'IA moins qu'à mettre tout temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Moi je l'IA achète tout côté. L'IA fait qu'elle content. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Inibank fait poté pour nous. Toujours à travailler plus pour satisfaire client de nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale, nous pour nous bailler tout simplement. Tout côté. Empreinte digitale seulement. Sans donner à mon compère. Inibank pas pour dormir. Toujours à innover. Alpreka, Inibank tout côté Paola. N'importe si qui sale à tout agent autorisé Inibank. A 4 si là, si on y paraît, bay empreinte digitale ou pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service à bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout pays. Ouais papa, prêt. Inibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Hey, mes nouvelles là. Pour révoquer tout néon réalité dans sa fait la santé, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand. Sauti lundi pour arriver vendredi de 8h à 4h PM pour le poté bon gens traitement dans maladie sa yo. Tankou, oppression, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, sinusite, hémorroïde, douleur rhumatisme ak en pile lot encore. Clinique Fertile Aurel vle aide ou parce que le croit dans la santé. C'est peut-être ça li pote yon spécial rabais de 20% dans toute période sa sous tout traitement li yo. Pour plus d'informations, visitez-nous dans Delma 13 rue Mairie numéro 12 ou bien relez-nous dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86 ou bien visitez-nous sous www.medecinenaturelhaiti.com et écris-nous dans Fertile Aurel
a@commercial.gmail.com. Ak Clinique Fertile Orel, toute maladie sa yo kaba naturellement. À partir du 17 juin, l'État haïtien a gagné 45 jours pour continuer avec le programme d'identification ressortissants haïtiens qui vivent illégalement dans la République dominicaine, selon le ministre des Affaires étrangères haïtien, Leonel Renault. Chancelier haïtien a annoncé signature d'un protocole de rapatriement entre autorités de pays qui pourraient faciliter ou contrôler les déportations massives haïtiens qui vivent illégalement dans la République dominicaine. Le ministre des Affaires étrangères haïtien, Leonel Renault, a apporté plus de détails. Dans micro radio télé éclair. Alors que c'est son droit que la République dominicaine gagne pour lui assainir la Cali du point de vue migratoire. Et son devoir que nous gagnons tous nous-mêmes pour que nous recevions les compatriotes qui sont en difficulté. Mais nous disons qu'il faut qu'il fasse suivant un principe. Et le principe, ça, nous avons pris le protocole d'accord. De pouvoir parler de déportation. On va parler de déportation en masse, on va parler de catastrophe humanitaire. De pouvoir parler de déportation, il faut qu'on principe qui régime. Et nous entendons que le principe qui régime là, l'État haïtien entend contrôler les déportations en amont comme en aval. Nous disons en amont, on ne va pas rester les bras croisés et regarder qu'on a divers États haïtiens sur la frontière. On ne sait pas qui est qui. On peut avoir des criminels, on peut avoir des justices, tout sur l'eau qui va accompagner nous la déportation. Donc on dit qu'il faut que nous contrôlions de façon ordonnée. Maintenant, pour le chiffre, ça va pour le chiffre, ça va. Il va l'établir à partir des critères qu'il va l'établir là, protocole d'accord là. Le protocole d'accord là. On va déporter, combien on doit déporter, son rythme, sur quelle durée et par où. C'est là ce qu'on va arriver. Par exemple, le protocole d'accord en 2019, l'idée prévoit que les capables d'aller des mounes sur toute la frontière. Maintenant, nous avons établi dans le présent protocole que nous avons recevoir des mounes sur deux points. Nous disons à Malpass et à Guadamène. Il faut que nous gagnions complète. Information paquet Port-au-Prince tendé journée mardi 2 juin 2015 l'an met au snare février avec diverses personnalités dans la fédération protestante en Haïti dans quatre dossiers qui opposaient pasteur Wilver Jean-Charles à qui on frère biologique lié pour l'église Théophile Dana Martissant. Après audience l'an met au snare février fait qu'on ait déjà gagné disposition qui prend pour résoudre problème qui existait sous gestion l'église là en deux frères. Déclaration met au snare février dans micro radio télé éclair dans arrestation. Mais dernièrement, petit frère lui-même, il dit c'est arrêté pour l'arrêter grand frère là. Et il y a des mandats qui étaient décernés. Et nous prenons nouvelle que le mandat a été mandé pour arrêter pasteur. Et bien nous sommes venus devant le juge qui était décerné mandat. Et comme il s'agit d'un pasteur qui grand frère dans le conflit avec un autre petit frère, nous avons fait appel à la Fédération protestante d'Haïti. Et le président de la fédération est intervenu au nom de l'évangile, au nom des protestants et au nom de l'église. Et l'ité avec juge là, on a trouvé une solution. Les deux parties vont s'asseoir très prochainement avec fédération protestante et le doyen du tribunal et les juges qui étaient impliqués dans Port-au-Prince pour rejoindre une solution. Et m'a quitté et le pasteur Sylvain Exantus qui est président de la fédération protestante d'Haïti pour nous explication de beau dénouement ça. Pas un mandat encore, tout mandat levé, mais nous promettons que nous allons chita ensemble pour nous faire, au nom de la Fédération protestante d'Haïti, pour nous donner une solution que le commissaire gouvernement avec le juge pas capable de joindre, ni pas capable de joindre. Président Fédération protestante en Haïti, pasteur Sylvain Exantus, confirmé Confédération après le rencontrer deux parties dans l'idée pour mettre en fin à un conflit qui existait entre deux frères Sao dans la gestion de l'église Théophile Lana Martissant. Pasteur Sylvain Exantus, c'est président Fédération protestante en Haïti, qui t'a apporté plus de détails dans micro radio télé éclair. Comme représentant Fédération protestante d'Haïti, parce que c'est un pasteur qui est impliqué dans le problème ça. Et nous-mêmes, nous voulons que une politique équitable qui est exécutée, parce que nous dit si c'était un prêtre, il n'y a pas de lancer mandat d'arrêt, mandat d'amener
contre lui, une façon de bagarre là t'est réglé. Et ainsi, nous-mêmes comme représentants de la Fédération protestante d'Haïti, nous te venons joindre le juge là pour nous voir qui gens ont qu'à permettre que la Fédération, avec l'autre instance, continue aux médiations pour nous joindre aux solutions à l'amiable à la crise là. Parce qu'en tant que religieux, il y a une façon pour le dossier à traiter et juge Bredi, d'accord ensemble avec nous, il y a des rencontres qui peuvent le faire de façon à l'amiable pour nous traiter question en tant que frère, en tant qu'église pour nous traiter. Donc la Fédération protestante d'Haïti remercie le juge Bredi, juge Fabien Bredi, qui permet que nous puissions gagner des rencontres avec les deux parties. Moi, je veux dire tout le monde que présence moi-même comme président de la Fédération protestante d'Haïti, moi pas ni de l'un ni de l'autre côté. Moi pas gain personne monde que m'a défendre, c'est l'église protestante que m'a défendre, c'est les pasteurs que m'a défendre et que nous dit bon façon pour traiter pasteur yo, bon façon si on en conflit pour question à traiter et voilà que nous joignons une bonne entente que nous va réunir dans séance de travail pour nous tenter joindre une solution à crise ça qui dans l'église Théophile dans Matisse. Dossier éducation, ministre éducation nationale et formation professionnelle Anesmi Maniga dressé un bilan positif dans le cadre de préparation qu'a fait pour faciliter le déroulement examen officiel pour l'année académique 2014-2015 dans tout le territoire national. 205 000 élèves pourraient participer dans l'examen officiel 9e année fondamentale de CAP déroulé sorti 22 pour 24 juin et puis 73 000 élèves pour classe philo sorti 29 juin pour arriver 3 juillet 2015 ans sur tout le territoire national. Là, professeur Nespi Maniga, c'est ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, qui t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. Côté que gagne 3 matières, dans mathématiques, dans la langue créole, dans la langue française, le ministère a cherché à comprendre qui ça t'a maîtrisé tout bon. C'est une façon pour que nous soyons capables, à l'avenir, ranger le curriculum de l'école là, ranger le manuel que nous avons mis dans les mains, le manuel que nous avons mis dans les mains, et puis, capable de connaître concrètement quel type de formation continue ou même initiale pour nous mettre dans le niveau ça. Donc, sur l'évaluation diagnostique que nous avons fait, et au fur et à mesure que nous sommes capables de faire contrôle de ce qui s'est passé, nous sommes capables de comprendre plus bien qui niveau maîtrise si nous avons gagné dans la question mathématique, dans la question langue créole, dans la question langue française. Ce n'est pas ça qu'on a décidé de commencer parce que nous assumons que cela a plus de difficultés et cela nous oblige à former mettre plus bien et puis améliorer le manuel nous plus. C'est comme ça que nous sommes capables qu'on y ait dans le cycle de l'école fondamentale, là, faire examen 9e année fondamentale là, du 22 au 24 juin. Et c'est plus passé 205 000 personnes qui pourraient passer examen officiel ça. Et puis, examen baccalauréat unique qui pourra le faire du 29 juin au 3 juillet avec dépasser 73 000 personnes aujourd'hui qui ont enregistré pour passer examen officiel ça. N'a pas rappelé tant qu'à l'année dernière obligation que le ministère a fait pour que dans le test, dans l'examen officiel, ça, tout le monde soit capable d'aller composer avec uniforme l'école que vient à Nessa. Son façon pour permettre que le ministère, que toute chaîne qui a fait supervision, capable mieux identifier les élèves et mieux porter pour eux concours et appui qu'ils ont besoin. Et mieux permettre que Edupol tout capable de faire travail jour ça n'est capable assainir environnement l'école que nous retenu pour faire examen officiel ça. N'a pas rappelé tout même disposition que nous avons prise l'année dernière côté que c'est enseignant seulement qui supposé dans salle qui pour faire et surveillance et surtout c'est enseignant seulement que nous allons mobiliser qui pour faire correction dans l'examen officiel SAIO. Ministre éducation nationale et formation professionnelle Anesmi Maniga remet laptop, tablette, bail
groupe élève lycée Marie-Jeanne qui y remporté concours musical qui t'a déroulé sous thème Kembete tout. Dans l'intervention, le titulaire ministère a demandé pour gagner un concours ça, faire bon usage de matériel qui pral contribuer dans l'apprentissage. N'a invité à suivre déclaration ministre éducation nationale et formation professionnelle la professeure Nesmi Maninga dans micro radio télé éclair. Cours de rattrapage en ligne que ministère là à partir de mois juin pral mettre pour en pile l'école qui t'a perdu trop l'heure année ça et qui permettent que classe d'examen en particulier philo capable suivre rattrapage à travers des matériels des cours à la fois en ligne et à la fois sur des supports que nous déjà intégrés dans différents sous-tables et ordinateurs que nous avons mis certaines écoles que nous avons ciblées. Donc, bravo encore pour nous, mesdames. Bravo pour tous ces groupes jeunes qui ont participé dans le concours au nom du ministère de l'Éducation nationale, ministère de jeunesse et sport. L'autre information au groupement enseignant fondamental pour une éducation rénovée, action nouvelle et solidaire, voyez jeter. Communiqué ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle à Météo 28 mai passé qui condamné attaque étudiant centre formation l'école fondamentale été fait sous autobus ministère en Martissan. Un communiqué qui annonçait fermeture institution. Responsable communication référence Jacqueline Ligrismont qui exprimait mécontentement face à la décision sa sollicité formation commission d'observation qui pral gagner pour travail pour faciliter restructuration institution. Jacqueline Lirismont, c'est responsable communication regroupement enseignant fondamental pour une éducation renouvelée, action nouvelle et solidaire. Quitte dans le micro, Whitlin Eliassin avec Muller Baptiste. Fermeture provisoire du centre. Mes amis, dans le mois de juillet, 31 juillet 2014, le ministère de l'Éducation nationale, ensemble avec UNESCO et ensemble d'évaluateurs internationaux, ils ont évalué tout centre qui a formé monde dans le domaine de l'éducation dans le pays. Et le rapport UNESCO a dit que c'est fait. Le meilleur modèle à étendre sur tout le territoire si nous voulons gagner une éducation de qualité. Nous pensons que c'est une absurdité que le meilleur modèle, c'est lui qui décide de fermer. Et même si c'est provisoire, c'est lui qui décide de fermer. Nous pensons que c'est ça qui a mal fonctionné net. Que vous avez fermé. Et puis, vous avez évalué suivant le modèle que vous avez gagné. Pour nous avancer, mais lors dit que vous fermez ça ou rien comme modèle là, nous pensons que c'est une absurdité. Nomination d'une commission chargée de restructuration, là encore, moi je pense que c'est ça qui vraiment mal fonctionne. Ça qui n'est pas modèle, c'est eux-mêmes qui demandent pour restructurer. Alors on ne va pas dire que c'est fait pas ta carrière, amélioration qui fait, mais on n'est pas obligé de faire même, parce qu'il y a des étudiants qui suivent cours là-dedans, ils ont une année académique pour boucler. Lors dit que vous fermez pour restructuration, nous pensons. Et il y a un petit problème dans ça. Et nous pensons que le ministre, ce n'est pas lui-même qui prend la décision. Voilà, c'est qu'on sait que des gens dans le ministère, dans la direction générale, dans le DFP, dans le cabinet, ministre, qui amuse ou fait ça. Ce n'est pas le premier ministre qui fait ça. Il y a toujours des conseils pour, au contraire, si vous êtes capable de fermer, c'est fait déjà. Donc, les gens nous demandent des ministres pour ne pas écouter. Et c'est ça que fait en réponse. Nous écrivons une lettre ouverte. OK, pour nous demander ministre là dans les nouvelles là nous dit mettons une commission d'enquête sur pied qui capable enquêter sur monde qui a conseillé ministre là sous affaire ces peuple là. L'autre information parti politique organisation peuple cap lutter condamné décision dirigeant parti a fait connaître conseil électoral provisoire a adopté pour écarter 9 candidats pour poste député et sénateur parti a dans course électorale là. Responsable parti politique au PL qui fait connaître candidat ou ta victime, yon injustice déclaré, yon pral intenté yon action en justice contre KEPA dans l'idée pour faire lumière sous dossier ça, signe quoi déclaration. Coordonnateur, organisation, PEP Cap Lutte à Harry Marsan, quitte dans le micro, Gerlin Sui avec Mark Henson registre. Ça fait longtemps que au PL, yon la préoccupation nous. Une la priorité au PL depuis après le Congrès national, c'était les élections. Il est vrai, en dépit de tout réalisme et venu que le pouvoir a fait pour empêcher l'élection organisée au pays, nous autres au PL, nous avons organisé nous à tous les niveaux qu'il y a des élections. Donc, le après une bataille que le PL d'autres secteurs, surtout au niveau du Sénat, pour nous gagner, nous, CEP qui était sorti selon l'esprit de l'article 242 de la Constitution.
et l'un te comprend tout. Qui côté moun sa ap soti, c'est la presse, l'église, etc. Vous tous, paysans. Nous faisons toute institution confiance. Et nous pensons que nous avons le droit CIP plus ou moins potable, acceptable. Et les premières déclarations que notre président général, notre candidat à la présidence, futur président du PIA, a fait, nous avons fait comprendre que CIP ça, a un minimum de crédit au PLKP. Dossier élection inscription candidat pour collectivité territoriale a continué sur tout territoire national à côté ancien magistrat Port-au-Prince, Mme Pauline Brutus fait des beaux pièces comme candidat pour poste magistrat commune Port-au-Prince. Mme Pauline Brutus promet pour le travail pour arriver changer image commune Port-au-Prince. Déclaration Mme Pauline Brutus dans micro radio télé éclair. Priorité et priorité pour Port-au-Prince, c'est pour nous bailler résultats et bonne gouvernance locale. Nous parlons de gestion de proximité des affaires locales. Nous avons besoin de Port-au-Prince qui est propre, un Port-au-Prince moderne, un Port-au-Prince qui est bien aménagé, un Port-au-Prince bien assaini, un Port-au-Prince qui fait bon de vivre, un Port-au-Prince côté touriste capable de venir occuper l'activité, un Port-au-Prince sécuritaire et un Port-au-Prince participatif. Moi je dis participatif, moi besoin toute population, moi besoin société civile là, moi besoin de famille, moi besoin de la jeunesse, parce que l'affaire de Port-au-Prince, c'est l'affaire de tous et de toutes. Madame Bolla, il y a un grave problème là, qui surtout dans la zone boulevard Ritouman, proximité quoi des Bossales, vous avez un plan déjà? Oui, nous avons un plan stratégique pour la commune de Port-au-Prince. Et je dis à là, nous perdons ressources ça. Je veux dire, c'est problème sécurité, c'est problème assainissement, c'est problème et un pile de filles pour nous lever. C'était en présence plusieurs centaines de partisans et sympathisants Katel Maïska sous bannière parti politique Haïti en action pour commune Ansko. Il fait des beaux pièces le week-end passé. Dans une déclaration, le président Katel, Jean Joanel, fait qu'on est libre le travail pour développer commune Ansko s'il est arrivé à remporter l'élection. Jean Joanel, c'est candidat pour poste magistrat commune Ansko qui t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. Dans le c'est pour nous faire un peu de citoyens. Côté communauté en sujet, nous avons choisi de nous représenter dans le niveau municipalité. Formellement, aujourd'hui, nous venons déposer pièces nous venons faire un peu de comme citoyens. Donc, je pense que ce soir, il y a des sujets. Si nous sommes capables de venir avec Dieu, c'est ma volonté, je ne vais pas mettre tête. Même nous sommes capables de c'est eux-mêmes qui ont une mission pour nous capables de ça. Donc, je vais vous dire ça d'ailleurs. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va prendre un grand monde, si nous sommes jeunes, nous sommes conscients, nous sommes assurés, nous sommes pour que nous venions. Katel, ça, Katel a une action. Quel est le Katel tout bon là? Kazek, Azek, tout le monde ensemble avec nous aujourd'hui à Délégué-Ville. Donc, pour nous faire sortir aujourd'hui. On est là, on regarde, on regarde. Tout Mario, c'est AA, tout goal. Haïti en action, tout goal. 127. C'est une seule équipe qui l'a. Pas gain, c'est Pigeon seulement qui l'a. Pas gain, mal fini qui n'a qu'à loge. Seulement Pigeon qui l'a. Quel message que vous pensez voyer pour les gens qui ont gardé ailleurs? Tout le monde qui a gardé chaîne 4 Kounia, quel que soit le côté qui fouille à travers le monde. Parce que nous connaissons chaîne 4, le monde gardé. Donc, nous dit à partir de moment ça, jeune en souge, grand monde prend initiative pour nous donner l'autre en souge. Votre information écrivain Faimi Sarou Jean-Pierre annoncé la participer dans 21e édition Livre Folie qui a organisé 4 à 5 jours en 2015 dans la commune Tambar. Écrivain Faimi Sarou Jean-Pierre Palguin pour le présenter dans 4 nouvelles éditions Salon littéraire. Ça, un nouveau roman qui baptisé Chimère. Plus précision à nos micros, Gerlin Sui avec Brunet Petit. C'est Chimè, Chimè que nous tous nous connaissons. Avec tout ça, ça qu'on le, on a parlé de Chimè en Haïti. La et base histoire que moi écrit, au départ, je n'ai pas de nom pour lui. Je n'ai pas dit tête, je n'ai pas dit qu'une histoire, un Chimè. Ce n'est pas ça qui était base là. Je n'ai juste gagné dans la tête pour me camper histoire une famille pauvre, une famille défavorisée dans la province. Et la province que j'ai choisi, c'est Belance. Donc, son famille, côté que papa, c'est un pêcheur, et ainsi l'homme, c'est comme ça que je
et puis dame que le avec là qui relait manette et en fait personnage qui a vin tourner en chiméa c'est petit garçon que la misère bat qui a vive chaque jour sans le pas devant sans le pas derrière et puis dans sens pas moins et j'aimerais comprendre situation moi vin te poser tête moi question me dit dans un pays côté qui gagne en pile inégalité quand pour pays d'Haïti une société côté que tellement gain problème depuis des et des temps que n'a traîné avec nous problème social qui ça qui fait que un petit monde qui pas gain aucun avenir devant lui qui a vive dans situation très précaire qui ça qui fait que petit monde ça plus tard qui ça le ca tourner qui ça ca sauver ou alors s'il pas sauver qui ça la vie a ca réserver et c'est petit monde ça qui dans livre moyen vient tourner en chemin. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, la coalition anti-djihadiste a porté un support stratégique et militaire par le gouvernement irakien dans l'objectif pour récupérer divers terrains, en particulier la province Al-Anbar. C'est pour la France conflit qui existait en djihadiste et irakien où c'est une lutte à long terme. Pays, les États-Unis estimaient l'Irak a gagné un conflit. Ça, si tout acteur a rempli l'obligation. Euronews a dit non plus dans un reportage. Soutien à la stratégie militaire du gouvernement irakien. L'objectif est de regagner le terrain perdu depuis un an sur l'État islamique, en particulier dans la stratégique province d'Al-Anbar. La France parle d'une lutte à long terme et les États-Unis estiment que la stratégie sera gagnante si tous les acteurs remplissent leurs obligations. Un peu plus tôt, le Premier ministre irakien Al-Abadi avait pourtant dénoncé le manque de soutien face aux djihadistes. La route mène. Nous avons besoin de plus de soutien sur le terrain pour les forces irakiennes de défense. Les deux tiers de cette guerre sont psychologiques. L'organisation État islamique tente d'introduire de faux messages. Nous devons y faire face. Et nous devons y répondre également sur le plan psychologique, non seulement ici dans la région, mais aussi dans le monde entier. Car les frappes aériennes ne suffisent pas pour contrer le I. Bagdad s'emploie à reprendre le contrôle des milices chiites qui sont en première ligne face aux djihadistes, tout en espérant mobiliser les tribus sunnites pour reconquérir la province d'Al-Anbar. Mais une bonne partie de cette stratégie. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, 4 jours après victoire pour un 5e mandat en tête FIFA, Stéphane Blatter annoncé officiellement. Démissionne comme président fédération jeudi mardi 2 juin 2015 l'an. Stéphane Blatter qui gagne 79 l'année occupé pour ça depuis 1998 fait qu'on est li là jusqu'à ce que Congrès a choisi un autre président. N'a pas rappelé sa gagne environ une semaine depuis FIFA plongé dans un scandale corruption avec blanchiment l'argent. Euronews a dit non plus dans un reportage. Éclaboussé par un scandale de corruption, Zeb Blatter jette finalement l'éponge. 4 jours seulement après avoir été réélu pour un 5e mandat à la tête de la FIFA, Zeb Blatter a annoncé sa démission de la présidence de la principale instance du football mondial lors d'une conférence de presse à Zurich. Zeb Blatter, 79 ans, est en poste depuis 1998. Je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. Cette décision prendra effet le plus tôt possible, à savoir la date à laquelle un nouveau président pourra être choisi par le congrès de la FIFA pour me succéder. Depuis la semaine dernière, la FIFA est plongée dans un scandale de corruption et de blanchiment. 14 personnes, des officiels de l'institution et des responsables marketing de sociétés sportives ont été inculpés par la justice américaine et la pression était forte pour que Zeb Blatter démissionne. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième sortie du journal nous pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui tapent dominé l'actualité. 105 000 élèves pourraient gagner pour participer dans l'examen officiel 9e année fondamental qui a déroulé sorti 22 pour le 24 juin qui a venu là. Et puis 75 000 élèves pour classe fille l'ont sorti 29 juin pour arriver 3 juillet 2015 dans tout le territoire national. La déclaration ministre éducation nationale et formation professionnelle, la professeur Nesmi Maniga. À partir du 7 juin cap vini là, l'État haïtien a bien 45 jours pour continuer à programme d'identification ressortissants haïtiens qui vivent illégalement dans la République dominicaine, selon le ministre des Affaires étrangères haïtien Lenin Renault. Parc à Port-au-Prince, tendé journée mardi 2 juin, mettre au snap février avec diverses personnalités dans la Fédération
protestant plan en Haïti dans quatre dossiers qui opposait pasteur Wilbert Jean-Charles avec un frère biologique pour gestion l'église Théophile là dans Martissan. Nobel l'autre bord l'occasion après victoire pour un cinquième mandat en tête FIFA, Stéphane Blatter annoncé officiellement démission comme président fédération jeudi mardi 2 juin 2015 là. Cette Blatter qui gagne 79 l'année occupée pour ça depuis dans l'année 1998 et fait qu'on est là jusqu'à ce que le Congrès a choisi un autre président. N'a pas rappelé ça gagne environ une semaine depuis FIFA plongé dans un scandale corruption et blanchiment l'argent. Voilà ces principales informations avec diverses autres qui préfèrent essentielles. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.